La première étape, donc, c'est la lecture de paysage de la BDV, la présentation de la BDV avec ses 170 hectares de parc à 8, quand même, c'est relativement important. Et l'environnement, les côtes de la Manche et bien sûr les côtes du Calvados, sur lesquelles la BDV est encaissée. C'est la première fois que je fais cette visite-là et que je découvre avec Eric. L'huître, ça paraît un produit très simple, mais c'est tellement travaillé qu'en fait, on ne voit pas dans son assiette tout le travail qu'il y a derrière des ostréiculteurs et qui sont là tous les jours, quelle que soit la météo. Après la visite des parcs, dans les parcs à huîtres, on revient à l'atelier pour voir le travail des ostréiculteurs, que ce soit du gribbleur en passant par la calibreuse, et le dernier temps fort, c'est surtout après l'explication de l'expédition, l'ouverture des huîtres.